tout est sombre, j'ai comme l'impression de tout perdre. Le soleil du matin dure trop, mais est-ce que je vais tenir? Oh yeah. Chavaille de Hérodos Kafai, Chavaille de Ekalonozou, Valkorus et Fandele Keshai, Ekonozou au Paranazai, Chadabaï de Sale, Kabaindele Kozou et Paranazote, Rikotozo et Farodo Chatai, Ikonozu o Parene, Zeke Paradasane, Legotoji et Faros Italiada, Ragabainde Rolos O, Ishodo Liana, Sheikozu et Mande, Zukapaide et Keliano, Lokojabai, Zikete et Paronozo, Shadelia Manasai, Shadelia Manasai, Joto Okoranai, Zeka, Loto Ovai, Londoru Shade, Ragabai Nesite, Shadabaide, Rekabai Ros Ova, Onozoto Shuna, Onozo, au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, peuple glorieux, la faveur de l'Éternel est activée sur ta vie. La faveur de l'Éternel est activée sur tes affaires, sur ton business, sur ta santé, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons Genèse 12, versets 1 à 2, version Louis II. La parole de Dieu dit, « L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Waouh, quelle parole! Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Lorsque nous lisons Habacuc 2, verset 2, toujours lui second. La parole de Dieu dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, grave la prophétie sur des tables, grave, 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 que la prophétie soit gravée sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Hé, Rabochade. La prophétie, c'est quoi? D'après notre étude du jour, la prophétie, c'est, nous avons lu dans Genèse 12, il dit, je rendrai ton nom gras. Je rendrai ton nom gras. Je rendrai ton nom gras. Tu seras une source de bénédiction pour ta famille, une source de bénédiction pour ta nation, une source de bénédiction pour ta génération, une source de bénédiction pour ton travail, ton entreprise. Une source de bénédiction pour ton église, ton ministère. Et dans Habacuc, il dit grave cette prophétie sur des tables. On doit la lire couramment. On doit savoir que Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. On doit le savoir que Dieu a dit qu'il doit te rendre grand. Ce n'est pas toi qui l'as dit. Tu ne l'as pas demandé. Dieu a choisi de rendre ton nom grand. Il a choisi de t'enlever de l'humiliation. Voilà pourquoi il nous avait dit, il y a cela quelques temps, l'humiliation n'est pas ton adresse, la maladie, l'hôpital n'est pas ta maison. C'est pas ça. Là où tu es, c'est pas là où Dieu t'a destiné. Il t'a destiné pour être une source de bénédiction. Il t'a destiné pour dominer, créant l'homme à notre image pour qu'il domine. Voilà là où Dieu t'attend. Matthieu 5, verset 14, toujours Louis II. La parole de Dieu dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière. Et rappelez-vous dans Jean 8, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Et les gens disent, tu te prends pour qui? Tu témoignes pour toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus a dit, c'est vrai, je témoigne, je donne mon propre témoignage, mais mon témoignage est vrai parce que le Père est avec moi. Le Père atteste que je suis la lumière du monde. Et ce même Jésus, il se tourne maintenant à toi qui es son disciple. Il se tourne à nous, ses disciples. Il dit, vous êtes la lumière du monde.
Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est par toi que les choses vont changer. C'est par toi que les choses vont évoluer dans ta famille. C'est par toi que les choses vont évoluer dans ta nation. Vous êtes la lumière du monde. Waouh. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Écoutez, il n'y a pas une vie chrétienne normale cachée. Ça n'existe pas. Même si tu es la personne la plus timide, une fois que tu es chrétien, une fois que tu es chrétienne, tu es une ville située sur une montagne. Tu peux être caché. Tu ne peux pas dire non, je veux. Un chrétien caché est un chrétien égoïste parce que tu es la lumière. On ne cache pas la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On doit la mettre sur la table. On ne doit pas la cacher. Elle doit éclairer la pièce. Elle doit éclairer. Que vos œuvres puissent briller afin que les hommes glorifient votre Dieu, votre Père. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu ne peux être caché. Ton étoile ne peut pas être cachée. Voilà pourquoi, sache que ton étoile va briller cette année. Ton étoile va briller. Alléluia. Ton étoile va briller au nom de Jésus-Christ. Cette année, ton étoile brille. Cette année, ton étoile brille. Avec cette connaissance des paroles que nous avons juste lues, tu rends grâce à Dieu parce que cette année, c'est l'année où ton étoile brille. Bien-aimé, je te montrais que tu n'as pas besoin d'être caché. En tant qu'enfant de Dieu, si tu es caché, c'est que tu es égoïste. L'égoïsme, c'est un péché. Dieu ne veut pas des égoïstes. Tu dois briller. Briller là où tu travailles. Briller là où tu sers Dieu. Briller là où tu étudies. Tu dois briller. Ton étoile doit briller parce que tu es une lumière. Tu es une ville située sur une montagne. Tu ne peux pas être caché. Tu es la lumière de ce monde. Tu es la lumière de ton environnement. Tu es la lumière de ta famille. Tu es la lumière de ton quartier. Tu ne peux pas être caché. Tu es la lumière. Bénis le Seigneur. Bénissons le Seigneur parce que nous sommes la lumière du monde. Il nous a rendu la lumière. Il nous a rendu des leaders. Il nous a rendu des personnes modèles. Bénissons le Seigneur parce que notre étoile va briller. Mon étoile va briller cette année en accord avec la parole. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je te ferai une source de bénédiction. Je serai une source de bénédiction pour plusieurs. Une source de bénédiction financière. Une source de bénédiction, de motivation, une source de bénédiction, une source d'inspiration. Maroche avade, me korabaines ete, reke varodosh afana, kizoke paranazai, kilotosh ate, komandeleze farokosete, ragabane e korodos oto. Shokavane, zuke faradai. Makoroche ofoko paranai, lekozo ke faranai, ekozu pare de cheteliada, mande ketolia farada, ozu ke paranai, zekonozo, shade ke paranoso, shade ke paranaze, ishadabaide, shodolo, vekotozu e faranai, qui paradasete, loco paradesu, Ivando lo chate, regepaidesiketolozo, regepaides otoshabai, regepaides otoshoto, qui vandelekezo, o chade, zikotolia paranaze, ricotoshavande, sake paranozo, mandel corodos oto, vandeke paradashade, aziko soto ikaredes itelende, ros ofa kopaine, eparozu eparashata, ragete, kavande ekozuto, lekozuitelide. Celui qui parle en langue parle à Dieu. Il prie à Dieu. Il dit des choses mystérieuses. Il dit des paroles mystérieuses. Les hommes ne peuvent pas le comprendre. Il s'édifie lui-même. Il s'édifie lui-même. Il dit, alors vous, édifiez-vous par votre sainte foi. Édifiez-vous spirituellement en priant en esprit. Édifiez-vous en priant en esprit. Je suis dans Jude, verset 20. Édifiez-vous sur votre propre sainte foi. Rabanelebos oto. Voilà pourquoi tu dois prier en esprit. Prier en esprit. Prier en esprit quand tu es seul.
nous passons des moments. Je vous ai déjà dit que ce moment de prière que nous partageons, c'est pour t'aider à prier individuellement. C'est pour que tu sois fort, que tu sois forte dans la prière individuelle. Tu élèves la voix pendant que tu pries. Tu demandes à Dieu de te remplir de son esprit, de te remplir de sa puissance, de te remplir de son esprit, l'esprit de feu et l'esprit de Dieu, l'esprit de feu, l'esprit de Dieu, Rabosh Afande, Kabane Lebos Oto. Mon étoile brille cette année. Merci Seigneur Jésus, parce que mon étoile brille. Je suis une ville située sur une montagne. Je ne peux pas être caché. Mon ministère ne peut pas être caché. Mon talent ne peut pas être caché. Au nom puissant de Jésus-Christ, Rabo Ofakaranaze. Kivano Shadeke Paradai Zeko Paranazai Kochu Eforadai Jekapane Kuzate Orakapande au nom puissant de Jésus. Alors pour des raisons d'enregistrement, c'est la raison pour laquelle nous faisons cours, mais tu peux aller continuer. Par la grâce de Dieu, nous allons voir comment le faire pour que nous passions vraiment plus de temps ensemble. Mais ça cause du contenu d'enregistrement, voilà. On donne juste l'essentiel. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Écoute, plus jamais tu auras part à la maladie héréditaire. Plus jamais. Plus jamais tu auras part à la maladie héréditaire. Oh non, ma mère avait ceci, mon père avait cela. Ça doit aussi m'affecter et affecter mes enfants. Que toute forme de maladie héréditaire puisse être brisée maintenant sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Plus jamais. Tout ce qui t'est lié, toute alliance qui t'est liée à des mauvaises choses, toute alliance qui t'est liée à la maladie, toute alliance qui t'est liée à la sécheresse financière, que cette alliance soit maintenant séparée, soit séparée de toi, brisée au nom de Jésus-Christ, brisée au nom puissant de Jésus. Fais cette prière après moi. Je me sépare de toute alliance de sécheresse. Je me sépare de toute alliance de sécheresse. Je me sépare. S'il y a eu des ancêtres, s'il y a eu mes aïeux qui ont tissé des alliances, qui ont apporté la sécheresse dans ma famille, je me sépare au nom de Jésus-Christ. Je me sépare de toute alliance de sécheresse. Je me sépare de toute alliance de sécheresse financière. Je me sépare de toute alliance de sécheresse professionnelle. Je refuse subir les mauvaises alliances. Au nom de Jésus, élève la voix, commence à te séparer. Commence à te séparer de toute alliance de sécheresse, toute alliance de pauvreté, toute alliance qui apporte la pauvreté. Toute alliance qui apporte la maladie héréditaire, toute alliance qui apporte les blocages, commence à te séparer au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je suis séparé. Rabosh Afakade. Kanozuite Liama. Shokapaideze. Kilodozo. Shadeke Parana. Zeko Otozike Parana. Eshukavanozo Ekale. Shade. Mandolozo, ke parada si kotorodo, e kaneji e karadese, ke vonto, rage parada sae, ke vandozo osoto. Je me sépare, je sépare ma destinée, je me sépare ma destinée de toute alliance, de toute parole de limitation, je sépare ma destinée de toute parole de limitation, toute parole de blocage, je suis séparé au nom puissant de Jésus-Christ, je suis séparé au nom puissant de Jésus-Christ. Merci cher Saint-Esprit, au nom de Jésus. Tu es séparé maintenant de toute alliance de sécheresse. Tu es séparé maintenant de toute alliance héréditaire qui condamnait ta vie. Tu es séparé au nom puissant de Jésus-Christ. Plus jamais tu n'auras pas à la maladie héréditaire. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Plus jamais le sang qui avait la maladie va continuer à circuler dans tes veines. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées.
Les maladies héréditaires sont passées. Tu es une nouvelle créature. La sécheresse est passée. Tu es une nouvelle créature. Si on identifie tes parents de pauvres, on ne va pas t'identifier de pauvre au nom de Jésus. On va t'identifier des riches parce que Jésus s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Le sang de Jésus coule dans tes veines. Aucune maladie, aucune infirmité n'aura encore accès à ton corps au nom de Jésus. Aucune maladie, aucune infirmité n'aura encore accès à ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les anges campent tout autour de ceux qui craignent Dieu. Tu es sécurisé. Tu es sécurisé. Ton sang est sécurisé. Alléluia. Ton sang est sécurisé. Tes projets sont sécurisés au nom puissant de Jésus-Christ. Levosh abide. Kabaindos oteli abide. Ros ifakoshate. Rikosote e paranaza. Au nom de Jésus-Christ. Kavande korades iteliede. Rekapai. Lekozo. Les anges campent tout autour de tes finances. Tes finances ne seront pas dévoré, tes finances ne seront pas volées, tes finances ne seront pas volées au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu ne seras plus jamais escroqué au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maros et Fake. Sache que dans tes finances, cette année, tu vas briller. Parce que ton étoile va briller cette année. Dans tes finances, tu vas briller. Dans tes projets, tu vas briller. Je te vois briller au nom de Jésus-Christ. À tes résolutions répondra le succès. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es une source de bénédiction pour les générations futures. Une source de bénédiction pour ta famille. Grâce à toi, ta famille sortira de la pauvreté cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ. Grâce à toi, ta famille va célébrer un mariage, un nouveau mariage. Ta famille va célébrer son premier mariage. Grâce à toi, les liens de célibat brisés au nom de Jésus-Christ. Grâce à toi, les liens de chômage sont brisés. Grâce à toi, je te vois briller. Je te vois briller dans tes finances. Je te vois briller. Je te vois briller dans tes projets. Alléluia, tu vas briller. C'est ton année, tu vas briller. Dieu fait de toi une grande nation. Il te bénit, il te rend grand. Il te rend grand. Il rend ton nom grand. C'est Dieu qui a choisi. Tu es la lignée d'Abraham. Dieu a choisi de rendre ton nom grand. Il a choisi de te rendre grand. Il a dit, tu es la lumière. Tu es la lumière de ta famille. Si tu ne brilles pas, les choses ne vont pas changer. Voilà pourquoi dans Ésaïe, nous allons lire Ésaïe également. Je vais ajouter Ésaïe, bien que ce n'était pas mentionné dans les versets d'étude, mais je vais ajouter Ésaïe. Voilà pourquoi les deux sont importants, la prière écrite et la prière, n'est-ce pas, audio. Alors, hier, j'ai fait une petite étude sur le contenu YouTube. Je me suis rendu compte que vous appréciez plus les vidéos. Bon, normal aussi, hein, moi également, je vais plus apprécier les vidéos. Mais sachez que nous le faisons en fonction de ce qui est à notre disposition pour l'instant. Au lieu de croiser les bras, autant mieux supporter. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui supportent prier parfois quand c'est totalement noir. Parce que s'il faut faire des montages et des choses, ça va prendre du temps. Vous voyez un peu. Nous gérons toutes les communautés. Nous gérons YouTube, nous gérons Facebook, nous gérons TikTok, ainsi de suite. Donc, pour gagner en temps, on veut juste que vous soyez en contact avec l'essentiel. Il y a même des gens sur Telegram. On fait l'effort pour que tous... Parce qu'il y a des gens qui me disent, « Pasteur, moi, je n'ai pas YouTube sur mon téléphone. Est-ce que tu as Telegram ? » Ok, j'ai Telegram. Alors, nous publions également sur Telegram. Parce que sur WhatsApp, on ne peut pas envoyer ces prières, des prières de plus de les contenus de plus de 16... Les audios de plus de 16 mégaoctets, on ne peut pas le faire. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Roshavides et Eliabai. Alors, Ésaïe. Tu dois briller, tu dois t'élever. Tu dois t'élever, bien-aimé. Si tu ne t'élèves pas, les choses ne changeront pas.
Ésaïe 60, la Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Tu dois t'élever pour briller. Tu dois t'élever pour briller. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Même s'il y a la crise, sache que sur toi, la gloire de l'Éternel apparaît. Même si dans ta famille, il n'y a pas souvent de mariage, sache que sur toi, sa gloire apparaît. Toi, tu vas te marier. Même si dans ta famille, il n'y a pas la promotion, je te dis que sur toi, sa gloire apparaît. Dans ton travail où ton patron n'aime pas promouvoir les gens, sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Au nom de Jésus-Christ. Des nations marchent à ta lumière. Oh, Jesus. Voilà pourquoi il dit, vous êtes la lumière du monde. Des nations marchent à ta lumière. Si tu ne te lèves pas, mon frère, rien ne va changer. Ma mère, tu dois t'élever. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. L'excellence ne vient pas. L'excellence se travaille. Tu dois t'élever. Tu dois réfléchir. J'aime beaucoup le livre Réfléchissez et devenez riche. Tu dois réfléchir pour changer la situation. Ce n'est pas démoniaque. Voilà pourquoi la majorité des chrétiens sont médiocres, parce qu'ils attendent que le Seigneur ouvre le ciel. Il n'ouvrira pas le ciel comme vous imaginez. Il a déjà donné sa parole. Il dit dans leur détresse, ils invoquaient l'Éternel. L'Éternel leur envoya sa parole. Et voilà cette parole qui est là. Sa parole dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Si tu as déjà trop déposé les dossiers et qu'on ne t'a pas accepté, ça veut dire que Dieu veut que tu crées l'emploi toi-même. Comprenez le langage de Dieu. Dieu veut que tu crées l'emploi toi-même. Et tu portes les yeux, porte tes yeux alentour et regarde, observe ton environnement. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Alléluia. Quand tu te lèves, voilà les conséquences de tout ce qui arrive. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Oh, ça veut dire que les personnes importantes vont te considérer parce qu'en toi, ils vont vivre la vraie lumière, la vraie lumière. La vraie lumière, je crois que c'est dans je suis aussi délire, c'est là. Dans Jean chapitre 1, l'osopharodos était, paroche et pharodos ate, qui paradaï. Et konozou et pharoche ate liapai. Et konozou et paranasai. Jean chapitre 1. Voilà. Wow. Jean chapitre 1, verset 4. En elle, en la parole, était la lumière. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière des hommes. La lumière des hommes. Oh Jésus. La lumière des hommes. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Je reviens sur Ésaïe 60. Des rois n'attendent que tu puisses briller. Si tu ne te lèves pas, rien ne va changer. Toi qui pries avec moi, sache que le Seigneur veut que tu te lèves. C'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous allons partager et prier sur le leadership. Parce que nous devons savoir que Dieu nous attend à la position du leadership. Voilà pourquoi il a dit... Il nous a créés pour qu'on domine, pour qu'on cultive notre environnement, qu'on développe notre environnement. Dominer dans domination, il y a le leadership. C'est toi qui dois faire quelque chose. Là où rien n'est fait, c'est toi qui dois commencer à faire quelque chose. De la même manière, quand tu as vu qu'il y a du chaos, tu as commencé à prier. De la même manière, lorsque tu vois que je prie et les choses ne sont pas toujours comme je veux physiquement, tu commences à travailler parce que Dieu t'a dit lève-toi et brille, lève-toi et sois éclairé. Tu commences à travailler, tu travailles sur ton projet, tu travailles sur tes ambitions, tu travailles. Ne laisse pas que cette année termine comme ça parce que Dieu t'a tout donné. Il a dit tu dois briller, tu ne peux pas être caché, tu as son feu vert.
Tu as son feu vert. Tes fils arrivent de loin. Oui, il y a des fils, il y a des bénédictions qui sont très, très éloignées. Mais tant que tu ne te lèves pas, rien ne va arriver. Tes fils arrivent de loin et tes fils sont portés sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Alléluia. Quand les trésors des nations viendront à toi. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, ça veut dire voiture, de dromadaires, de madiens et d'éphas. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. Alléluia. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nabajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables, ô Dieu. Donc, ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour te faire perdre de route. Moi, je ne sais pas. Quand quelqu'un reçoit la bénédiction, il abandonne Dieu. Il n'avait jamais connu Dieu. Il n'avait jamais aimé Dieu. Parce que moi, tout ce que Dieu me donne de bien, j'ai comme l'impression que ça me rapproche plus de lui. Et je précise que l'expression rapprocher de Dieu, c'est juste une expression. Parce que je suis dans sa présence. C'est juste une sensation. Nous savons que nous ne marchons pas par les sensations. Nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Mais à chaque fois que Dieu fait quelque chose de bien, moi, ça me rapproche plus de lui. Plus de lui. Plus de lui. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Or, c'est toi qui es le temple. Dieu a dit, il va glorifier la maison de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur pour cette semaine. Commence à bénir le nom du Seigneur pour ce programme. Bénis le nom du Seigneur. Et toi qui seras avec nous tout à l'heure, je ne sais pas si je vais réussir à publier cela. Je vais faire un effort. Publier cela avant midi, pour que tu puisses rapidement prendre ton transport si tu es à Kinshasa, ou si tu es même en Europe, envoie le lien, envoie la nouvelle, que ceux qui sont à Kinshasa viennent. Tout le monde est convié à prendre part à la rencontre de prière et d'administration de la parole tout à l'heure, ce dimanche 28 mai. L'adresse, c'est la nouvelle galerie présidentielle, niveau 26, local C. Référence, voilà, le plus grand bâtiment en face du supermarché Kinmart. Il y a deux bâtiments. Le plus petit, c'est la galerie présidentielle, c'est-à-dire l'ancienne. Et le plus grand bâtiment, c'est la nouvelle. Nous sommes sur l'avenue du 30 juin, boulevard Gombe, commune de Gombe, la ville de Kinshasa et la RDC. Alors, le programme se tiendra de 13h à 16h. Soyez très ponctuels parce que nous sommes très ponctuels. Voilà, shalom, peuple glorieux. Que Dieu vous bénisse, sa faveur est sur vous. Sa faveur est activée, sa gloire apparaît sur vous. L'Éternel s'élève sur toi, l'Éternel fait apparaître sa gloire sur toi sa gloire apparaît, sur tes finances sa gloire apparaît, sur tes études sa gloire apparaît. Alléluia, sur tes études sa gloire apparaît, sur tes études sa gloire apparaît. Si tu m'écoutes ce matin, si tu m'écoutes le matin, sache que la journée a été faite par Dieu. Et c'est une journée pour que tu puisses vivre la grâce, une journée que tu puisses vivre la faveur, que tu expérimentes sa faveur. Alors la faveur de Dieu, sa grâce sans mesure et ton partage au nom de Jésus. Ta santé est solidifiée au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le fruit de tes entrailles, que Dieu bénisse tes enfants, qu'il bénisse ta famille au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu feras marchera par sa grâce. Sa gloire apparaît sur toi. Alléluia. Sa gloire apparaît sur toi. Sa gloire apparaît sur toi. Alléluia. Charos et Pharodos ou Kapai. Les Kotozu et Paranajaïdes iter. Et conozu italia balachade, o caparadaso, reque varos otus apaide. I conozu italia malachade, ros o caparodos itekete, reque paranos oto,
Je viens prier pour tous ceux-là qui ont déposé des dossiers, dossiers de travail, dossiers de voyage, que la faveur de Dieu soit sur ces dossiers. Au nom puissant de Jésus-Christ, que vous ayez des réponses favorables au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui ont des difficultés financières, que la main de l'Éternel puisse pourvoir à tous vos besoins et vous connecte à des meilleures opportunités, des grandes opportunités financières, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui es malade. Reçois ta guérison, reçois ta restauration au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Merci Seigneur, merci cher Saint-Esprit. Alors tu peux lire la Bible en un an. Aujourd'hui tu vas lire Jean 13, verset 31, à Jean 14, verset 1 à 14. Et tu vas lire 2 Rois, 23, 25, 23 ou 25, 2 Rois chapitre 23 ou chapitre 25. Tu veux lire la Bible en 2 ans, tu lis dans l'Ancien Testament Nombre 31, dans le Nouveau Testament tu lis Marc 13, verset 24 à 37. Voilà, je crois que j'ai un Marc qu'on a donné dans la lecture d'aujourd'hui. Marc 13, verset 31, la Bible dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Voilà, cette parole que tu as reçue, que Dieu rendra ton nom grand, que Dieu affirme que tu es la lumière du monde, la lumière de ta famille. Il dit « Le ciel passeront, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Réellement, tu le seras, parce que tu l'es. Alors, je suis le pasteur Glody, Ofete, et je réponds dans tous les réseaux sociaux sur ce nom, pasteur Glody Ofete. Et sur WhatsApp ou sur appel normal, appel classique, voici mon numéro, plus 243 84 06 84 575. Laisse-moi ton sujet de prière et j'aurai vraiment le plaisir et le sacrifice de prier avec toi. Tu es béni, 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 béni. Que Dieu vous bénisse.